Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû se me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Le 8 février 2016, nombreux sont les Méens qui se sont rassemblés à l'avenue de la gare, devant le Franprix, jusqu'à la maison des associations, pour soutenir une maman éprouvée, Zaya, et dire stop à la violence. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, Gourville Wildi, jeune homme sans histoire, s'est probablement trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Sur les visages, l'incompréhension est à son paroxysme. L'émotion est non dissimulable. La disparition hâtive de ce jeune homme populaire grâce à son statut de gardien de but au club de football du Metz-sur-Seine et à ses qualités de bon vivant apprécié de tous fait couler beaucoup de larmes avec un redondant questionnement « Pourquoi lui ?». Suite à une violente querelle survenue entre jeunes au square Alexis Carrel, Wildi succombera de 2 balles perdues reçues à l'abdomen. La mère, craignant une riposte vengeresse, invite la population au calme. Merci à vous tous pour votre soutien, c'est gentil. J'espère qu'il n'y aura pas de vengeance, Inch'Allah. Et que vous penserez à Wildi. Tous ceux qui connaissent, Inch'Allah. Et je ne sais pas quoi dire. Merci à tous. Ça n'arrive plus, Inch'Allah. Ça n'arrive plus. Les autres mamans ne pleurent plus. Il y a d'autres choses que des armes. La parole, ça suffit. Pas besoin de se tirer dessus. Malheureusement, voilà quoi. Les jeunes d'aujourd'hui partent en couille. Et ça rend triste. Je suis contente que tout le monde soit là. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Elle est soutenue par un parent méen invitant les habitants à laisser les autorités compétentes faire leur travail. Tout le méen, mais y compris les Melunais, y compris Adamari. On est tous profondément touchés, blessés au plus profond de nous. Wildi, c'était, il y avait l'âge de Boumedia de mon fils. Sa maman s'est occupée de mon fils quand ils étaient au foot avec Malik, avec une multitude d'enfants. C'était une maman courageuse. Et les garçons, les plus jeunes, il n'y a rien ce soir et toute la semaine et le reste de votre vie. Donc on est d'accord, il n'y a rien. Celles et ceux, ou en tout cas ceux qui ont commis cette atrocité, la justice va s'en charger. On est d'accord? La justice va s'en charger. Et là où ils seront enfermés, il y aura une autre justice. On s'est compris à travers ce message. Celles ou celui ou ceux qui ont commis cette atrocité, ils seront jugés ici-bas et dans l'au-delà. Mais la justice, ici dans ce pays, va s'en charger. Croyez-moi, ils seront arrêtés et condamnés. Et entre-temps, il y a autre chose. Et moi, je vous appelle au calme. Alors, ici, le Metz-sur-Seine, c'est ma ville d'enfance. Je suis un natif de Montaigu. Je suis né à Montaigu. J'ai grandi à Montaigu. Mais ma ville de cœur, c'est le Metz-sur-Seine. C'est là où j'ai trouvé des gens qui aiment, qui partagent. Et c'est ça, le Metz. C'est ça, les Méens. Donc c'est important, ce message qu'on est en train de vous donner. D'accord? Pour les plus jeunes, ou celles et ceux qui aimaient Wildi, dans le quartier ici, à l'aide de la gare, au Sorbier, à la Croix-Blanche. Vous gonflez pas les amis, vous gonflez pas les enfants. Laissez passer votre colère, soyez patients. Celui ou ceux qui ont fait ça seront jugés par la justice française, c'est important. Soyez pacifiques, soyez passants. C'est ça le Metz, c'est ça l'image du Metz-sur-Seine. Vous êtes tous des bonhommes, on le sait ça. Vous êtes des bonhommes, vous êtes des méens, on sait que vous êtes forts, on sait que vous êtes valeureux, on sait que vous êtes téméraires, comme Wildi, paix à son âme. Amine. Priez pour lui, peu importe votre religion, d'où elle vient, croyant ou pas croyant, priez pour lui. Et priez pour sa maman, parce que c'est une maman courageuse. Elle a su élever 2 enfants, mais elle a su aussi donner de l'amour à nos enfants, en tout cas à moi, à mon fils, et à ceux qui sont en face de moi.
Donc, ce qu'on vous demande, soyez patients. La justice sera là pour régler cette affaire. Vous devez l'entendre. La justice sera là pour régler cette affaire. Je vous demande de la patience et d'accompagner sa maman. Sa maman vous l'a dit. Je ne veux pas qu'une autre maman puisse pleurer. Je ne veux pas qu'une maman puisse pleurer. Obéissez à cette maman, Azaya. Obéissez à cette maman. C'est la maman de Wildi, Rahmou. Paix à son âme. Voilà. Mais soyez patients, d'accord? Merci. Un brillant artiste va exprimer la douleur, les condoléances, mais aussi le respect de la demande de la mère de Wildi par un graphe. Le chef de la ville positive était présent pour soutenir la mère du jeune défunt dans ce moment de douleur et regrette l'inacceptable violence qu'a subie ce jeune lycéen. Alors, ce qui s'est passé, mis à part la douleur d'une famille méenne, mais surtout de l'ensemble des habitants, je crois que c'est le fils de tout le monde. Vous avez entendu une solidarité dans cette commune. Au-delà de cette commune, d'ailleurs, on est tous habitants de cette terre, on a une tête, deux bras, deux jambes, on est tous égaux. Pourquoi cette violence? On ne comprend pas. Voilà, c'est aujourd'hui difficile. Mais j'entends des messages d'apaisement, de justice, réclamation de justice qui est normale, et on souhaite tous que la justice fasse son travail, mais d'apaisement surtout. Ok, alors un mot pour la jeunesse? Faites attention à vous, faites attention à vous, écoutez vos parents, écoutez les grands, je crois que c'est l'expérience aussi. Et puis, il n'y a rien qui justifie la violence, rien ne peut justifier la violence. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Les élus, les habitants du Mé ne sont pas restés insensibles à ce drame qui déstabilise la famille du jeune défunt. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. On se sent démunis. C'est tellement dramatique qu'on se sent démunis. On ne sait plus quoi faire. Quoi faire pour notre jeunesse, quoi. Quoi faire pour notre jeunesse? Quoi faire pour empêcher ça? Nous mettons tous les moyens possibles pour les occuper, pour s'occuper d'eux, pour occuper des familles. Et ce genre de choses arrive tout de même, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les attentats, malgré les décès, etc. On arrive quand même à trouver des jeunes qui font ce genre de choses. C'est dramatique. Et on se sent mal, quoi, parce que nous sommes élus, nous sommes censés être là sur le terrain pour aider nos jeunes, pour aider la population. Et on n'arrive pas à endiguer ce genre de choses. Donc vraiment, aujourd'hui, on est très triste. En tout cas, moi, je suis très triste. Pensez-vous que dans la ville, il y a la sécurité par rapport à la jeunesse? La sécurité, vous savez, sans aller plus loin, ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc je veux dire que, voilà, quoi faire? Ça aurait été dehors, on aurait dit nos jeunes sont dehors, ils traînent, etc. Ça s'est passé à l'intérieur. Donc on met tout ce qu'il faut pour que les jeunes soient en sécurité. Vous savez qu'on va rajouter de la police municipale. Nos élus sont là. Nous avons des élus de proximité, nous avons une police de proximité qui connaissent les jeunes, qui travaillent avec les jeunes. Et malgré tout, ce genre de choses arrivent. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on redouble de travail, qu'on n'arrête pas, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on soit fort et qu'on soit près des familles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Merci. À la maman, on a beaucoup de peine. Hein. On a beaucoup de peine de ce qui est passé. La jeunesse, un jeune du Mé, malheureusement, tué dans des conditions dramatiques. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un grand recueillement. On voit le nombre de personnes présentes ce soir ici, très nombreuses. C'est un garçon très apprécié. Moi, en tant qu'adjoint au sport, il faisait du football, il était apprécié de tous. Que dire à la jeunesse? Ils sont très choqués. Simplement, ils ont beaucoup de retenue. Ils ont beaucoup de retenue. Et voilà, ils vont écouter le message qui a été passé ce soir par un élu de Melun. Et voilà, la seule chose qu'on peut leur dire, restez dans le calme surtout, et beaucoup de retenue. Voilà, que la justice va faire ce qu'il doit faire, hein, et pour que tout se passe et que l'auteur ou les auteurs soient arrêtés. Tous attristés de ce qui vient de se passer. C'est un acte inexplicable. C'est dommage que des jeunes en arrivent là. Et nous sommes tous consternés par la disparition d'un jeune homme. Rien ne justifie la violence. Dans ces circonstances, on ne peut être que solidaire de la famille et demander à ce que de tels actes cessent. Et pour la jeunesse, vous avez un petit mot? La jeunesse, il faut l'encourager. Et dans ce quartier en particulier, il y a beaucoup de choses à faire. Mais surtout, ce soir, c'est le recueillement. Les constats, les solutions, il en faudra.
mais il y a un temps pour tout. Okay. J'ai appris la nouvelle vers aux alentours de 13h, j'étais au boulot, on m'a appelé pour me dire la nouvelle. C'est dur. Bon ben, message de paix, pas de vengeance, et que tout le monde puisse se recueillir dans la paix, dans l'unité. Voilà, c'est le message principal que j'avais à dire ce soir, tout simplement. Un petit mot pour la jeunesse. Qu'elle reste calme, qu'elle reste forte, qu'elle reste soudée, qu'elle soit unie, et qu'elle continue à aller de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une vie, c'est très court. La preuve, notre camarade, il avait 19 ans. 19 ans, c'est rien. Pour ceux qui en ont 28, c'est pas beaucoup. Pour ceux qui en ont moins, c'est encore moins. Donc comprenez qu'elle reste unie, qu'elle reste soudée, et puis qu'elle continue à aller de l'avant. Et là, pour les mamans, un petit mot pour les mamans aussi. Je pense que pour une maman qui met son fils au monde et qu'elle le perd à cet âge-là, c'est très compliqué. Après, faut toujours la soutenir, sa maman. Je pense que c'était une femme courageuse. C'est une femme qui avait un bon état d'esprit et puis elle était très ouverte envers tout le monde. Et puis c'est quelqu'un qui avait une image positive, toujours le sourire. Et je pense qu'il faut suivre sa lignée, suivre son exemple. Et je pense que c'est la moindre des choses à faire, tout simplement. Les condoléances à la famille, qui reste fort et voilà quoi. Petit message de soutien quoi. Quel message vous pouvez donner à la maman, surtout pour les mamans? De rester forte. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est là, d'étudier, d'aller à l'école, d'écouter ses parents. Et voilà, il n'y a que ça qui paye. Hein. C'est le message que je voulais faire passer. Quoi. La maison des associations a ouvert ses portes à l'issue du rassemblement afin que les proches de la famille et de façon plus générale les Méens puissent poursuivre leur soutien auprès de Zaya et lui manifester leur compassion dans ce dur moment. Notons que désormais, le 8 février 2016 marque une trace indélébile dans l'histoire de la ville du Mets-sur-Seine, solidaire dans une démarche de paix, d'amour, de partage, de soutien, d'empathie, d'encouragement, tout simplement pour dire non à la violence, mais oui au mieux vivre ensemble. Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû se me débrouiller. La vie n'est qu'une escale.